Arrêtez-vous. Arrêtez-vous là. Arrêtez. Arrêtez-vous là. Désolé, 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 désolé. Bouge-toi. S'il vous plaît, je vous en supplie. S'il vous plaît. Fais vite, fais vite. Oui, je veux marcher. S'il vous plaît, avancez. S'il vous plaît. Avancez, avancez. Éboulez. Tola, avance, 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 avance vite, avance, avance. S'il vous plaît, s'il vous plaît. D'accord, maintenant, tu vas me regarder comment je te l'apprends, d'accord? D'accord. D'accord. Oui. Premièrement, je vais d'abord commencer avec comment couper okay. à l'aide d'une épée. J'utilise la mienne, tu fais pareil. C'est la meilleure manière d'être un bon guerrier. C'est bon, alors, tu la tiens comme ça, puis tu coupes comme ça, puis comme ça. Allez, à ton tour. C'est bon. Reviens. Maintenant, une autre manière encore. Tu tiens ton épée comme ça. Puis... Okay. Allez, maintenant fais-le. Très bien ça. D'accord, maintenant, mets-toi là. C'est bon. Alors, maintenant... Nous allons faire maintenant comme si nous nous battions. Nous allons faire 1, 2, 3, 4, et puis un tu. Tu comprends? Ok, allons-y. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est ça. Alors, on y va encore. On reprend. Allons-y. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est ça. C'est bon. Alors, maintenant, utilisons maintenant ça. Prenons ça. Ça, on va faire. 1, 2, 3. Non, toi fais comme ça, moi je vais bloquer, d'accord? Comment le bloquer? Allons-y. Tu comprends? Allons-y. Oui, sois prudent, d'accord? Doucement. Allez, c'est parti. Non. Prends cette position. Ça c'est bien, quand tu vas utiliser ton épée comme ça, moi je vais faire comme ça. Puis je vais bloquer. D'accord. Tu as compris? Ok, allons-y. C'est parti. Oui, c'est ça. Oui. Oui. Oui, allons-y, il faut aller plus. Oui, allons-y. C'est parti. Je peux voir que tu t'améliores rapidement. Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord. Maintenant, monsieur, recommençons. Alors, viens d'abord ici. Viens ici. D'accord. Alors, rassure-toi de faire doucement, d'accord? D'accord. Allons-y maintenant. Ok, ça. Non. Toi, tu feras comme ça et moi, je vais faire ça. Ça. Est-ce que tu comprends? Toi, tu feras comme ça, moi, je ferai ça. Allez, c'est parti. Non. Ok, comme ça. Donc, non, c'est juste bloqué. Comme ça, c'est bon. Mon gars, recommençons. D'accord. Un, 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 un.
Ok, maintenant. Ouais. D'accord. J'ai saisi. Nous devons terminer ça. Maintenant qu'on, okay. qu'on fasse ça. Hein. Deux. Ok. Allez, vas-y, fais-le. Peut-être tu iras à gauche, moi je serai à droite. Alors, vas-y, vas-y. Vas-y, on va voir. Oui. Très bien, très bien. Maintenant, je dois encore le répéter. Ok. On va faire ça. Vas-y, okay. fais-le. Ok. Non, 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 les deux côtés, rassure-toi okay. de le faire comme ça. Ok, oui, allons-y. Vas-y. D'accord. Ça, c'est très bien. Alors, nous allons essayer un mouvement différent. Votre Majesté. Oh non. Tous ceux qui se trouvent dans le royaume des Ako savent que Maze Eweka est un homme maléfique. Oui, bien sûr. Bien, sans Majesté, si tu demandes mon avis, je suggère que vous agissez vite maintenant. Avant que tu n'aies des problèmes. Tiens! Ça, c'est impossible! Honorou! Comment majesté, peux-tu dire ça? Je tu me laisses croire que tu ne sais plus qui je suis. Igwe. À moins que je sois mort. Jamais, jamais à moins que je ne sois plus roi du royaume. Je ne lui permettrai pas de régner sur ce royaume. Jamais! Igwe. Votre Majesté! Votre Majesté! Votre Majesté! Votre Majesté! Qu'est-ce que c'est? Votre Majesté! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? La princesse! La princesse! La princesse! La princesse! On partait vers la rivière! Uh-huh. Il y a eu des garçons et une fille! Ils nous ont menacés! On vous a attaqué? Hein? Ils ont kidnappé la princesse! Quoi? Hey! Non! Hey! Ce n'est pas possible! Hey! Non! 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 Honorou! Garde! Votre Majesté! Va me chercher Okere et ses hommes. Demande-leur de venir ici rapidement. Rapidement! Hey! Non! Au moment où je vous parlais, Chidimaï est morte! Quoi? Hey. Chidimaï est morte? Okay. Non! Les dieux de nos terres! Oh. Dites-moi quoi faire! Non! Attendez, on doit trouver une solution. On doit trouver une solution. Ce n'est pas possible. La mort est rentrée. Oh! Nous devons trouver une solution. Votre Majesté, c'était un mauvais présage. C'était un mauvais présage. Maintenant que nous avons bu de l'eau, continue avec l'entraînement. Non, 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 non. Mika. Hein? Ah, nous devons d'abord rentrer à la maison. Maman attend que je le fasse. Allons-y, s'il te plaît. Nous pouvons continuer après. Ah, oui, allons-y. D'accord, alors, allons-y. Oui. On va s'entraîner plus tard. Oui, après. Il faut continuer après. D'accord, oui, allons-y, bon. Allons-y. Hey, 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 Ina ma ofu ma aga ma akuru gu no gbamgbam aga ma akuru gu no gbamgbam maka alu su na ma ofu maka na akuru eya eya ngongo juri ngongo ngongo juri ngongo egwesu allez push avance push avance s'il vous plaît tu n'entends pas on va avance. Igwe, Okwade, gini gini gonga de, oisi kote boba ya, oyine jojo baburu wo, efukuko siwe ya de, ejine jamba koro keke ukiye we. Oh, désolé, je vous demande pardon, s'il vous plaît. Je vous demande pardon, s'il vous plaît. Merci beaucoup que vous ayez fait un très très bon travail. Igwe! On dit toujours quand un enfant lave très très bien ses mains, il ne va pas seulement dîner avec les anciens.
mais aussi avec les esprits ancestraux des anciens. Je vous en supplie. Vous resterez à jamais mes collaborateurs quand j'accéderai au trône de notre grand royaume. Igwe. Odo akoro sirime. Igwe kono. Olisio mwawara mwawara gwe uchua. Roule-toi là, on n'a pas de temps. Lève-toi. Regarde-moi maintenant. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous en supplie, on ne l'est dit. Tais-toi. Je veux parler à ton insensé le père qui se croit roi. Venez jamais, jamais me chercher. Malheureusement, ils sont décomptés. Je lui avais également dit, na wimpy wimpy, qu'il est très dangereux de blaguer avec la queue du lion. Encore moins de blaguer avec ses lions. Mais il ne voulait toujours pas que je lui disais. À quoi il joue? Je suis le roi Weka. Ochi Wadeze. Woke Fumana Mugume. L'homme qui a combattu dans cette bataille et les a toutes remportées, incluant les esprits qui osent me barrer la route. S'il vous plaît, pardonnez mon père. Épargne ma vie. Si tu dois le savoir, la confiance de ton père repose sur toi et je frapperai fort quand je le voudrai. Et si s'il vous plaît, épargnez ma vie. Amenez-la. Liez-la. Je vous en supplie, au nom de Dieu, je vous en supplie. Igwe. Amenez-la, amenez-la. Igo kaume. Eya, eya. Ngongongiri. Ngongongiri. Ngongongiri oje komu. Ngongongiri oje komu. Ngongongo. Ngongongiri oje komu. Avance, 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 avance. Avance rapidement. Ligotez-la là-bas. Attachez-la très bien. Lève tes mains. Attachez-la très bien et rassurez-vous qu'elle n'a aucun moyen de s'échapper. Attachez ses pieds, ses pieds. Attachez son sang. Lève bien tes pieds. Attachez-la très bien. Soulève-toi les deux pieds. As-tu fini de l'attacher? J'aime bien finir de la ligoter. D'accord. Fuga, tu dois rester ici, veiller sur tous ces otages. Pendant que nous irons trouver plus de gens pour le sacrifice. Très bien. Pourquoi c'est moi qui dois rester pour sauver les otages? Je vais aussi vous suivre. Hein? Es-tu en train de remettre en question mes ordres? Fuga! Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu sais que tu parles à Liga? Leader, mon œil. Comment oses-tu lui parler de cette façon? As-tu oublié qui elle est ou quoi? Hé, hey, mes amis, laissez-le tranquille. Si vraiment tu es notre leader, alors tu dois me combattre. Quoi? Fuga, moi et Boubé, que je me batte avec toi, je ne vais pas me battre avec toi. Parce que je ne vois aucun os que je pourrais d'ailleurs écraser. Ijele, je vais te donner une petite soupe si tu arrives à le défier. Le bol de quoi? Oui. Regardez-les. Allez, vas-y, lève-toi. Lève-toi, tu n'es pas mort. Allez, lève-toi. 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 Imbécile. Regarde-le, regarde-le. Regarde-toi, tu vas te battre avec moi, Eboubé. Tu n'es qu'encore un simple petit.
je te pardonne. Tu as de la chance qu'aujourd'hui soit mon jour de joie. Sinon, j'allais lui demander de te tuer. Reste ici et veille sur tous ces otages. Allons-y. Reste ici et prends très bien soin de ces otages. Onyeka. Hein? Onyeka. Je t'écoute. Je suis pas heureux du genre de vie que nous menons ici. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Comment est-ce qu'on peut vivre une vie où l'on est là, où on ne sait même pas prendre soin de nous-mêmes? Ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas ça la vie. Hein? Et ce n'est pas trop bien. Pourquoi est-ce que tu ris, mon cher ami? Il faut y penser. Abouché. Je sais pourquoi tu as posé cette question. La vérité est que il y aura un temps où tu finiras par comprendre. C'est par là que je te montre. Regarde-moi avec tes discours d'espoir. Hein? Ça arrivera oui, quand? C'est ça. Où? Quand? Dis-moi. Hein? Oh, oh, oh. Hey! Faut pas te mettre avec des discours d'espoir de cette façon. Onyeka! Il est temps que tu accomplisses ta destinée. Mon cher Dieu, je sais que c'est le moment pour moi d'accomplir ma destinée et de libérer les peuples. Et c'est ça que je compte faire. Je vous promets. Je vous remercie, mon cher Dieu. Onyeka, il est vraiment évident que tu sois occupé à parler aux esprits de Dieu. Abouti, je ne suis pas en train de parler aux esprits. Je suis en train de parler à Majua. À Majua? J'ai pressenti que ça arrive. Nous devons quitter cet endroit. Nous devons le quitter immédiatement. Et quitter ici pour aller où? Je t'ai dit avec moi, je t'ai dit. Nous devons quitter cet endroit. Prends cette arme. Allons-y. Viens avec moi. Allons-y. Ojania. Oui, votre majesté. Maintenant, écoute-moi. Réunis tes hommes. Réunis tes hommes. Ces hommes ont mis leurs doigts dans mes yeux, en kidnappant pas ma propre fille. La queue du lion ne peut jamais être touchée pendant son sommeil ou quand il est absent. Donc, allez à la recherche de ma fille et assurez-vous de l'amener ici, saine et sauve. Oui. Assurez-vous oui, votre majesté. Que rien ne soit arrivé à ma fille. Votre majesté, rien n'arrivera à votre fille. Je préférerais mourir plutôt que de rentrer ici sans la princesse. Ça sera comme ça, votre majesté. Oui, votre majesté. Rien de l'ennemi ne pourra atteindre la princesse. D'ailleurs, où est passé Dike? Votre majesté, il est censé nous rejoindre. Très bien. Il doit être avec nous. Maintenant, partez. Oui, votre majesté. D'accord. Oh non. Votre majesté. Votre Majesté, calmez-vous. Ses pieds, rapidement. Dépêche-toi. Allons-y.
Viens avec elle, viens avec elle. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous là. Qui êtes-vous et que faites-vous avec la princesse? Ah, mon nom c'est Onyeka. Et voici mon frère Abuche. La princesse a été attachée dans la forêt par des personnes inconnues. Nous l'avons sauvée. Je pense qu'il dit la vérité. Ramenons d'abord la princesse au roi. Oui, s'il vous plaît. Emmenez-la au roi. Oui, prenez ceci. C'est pour la princesse. Jeune homme, merci beaucoup. Que le Dieu te bénisse. Il sait... Et pourquoi ne viens-tu pas avec nous au palais? Le roi serait heureux de te voir. Non, ne vous inquiétez pas. Nous allons bien. Oui, tu es sûr? Nous allons bien, oui. Différent. Et ça serait mieux qu'elle vienne avec nous. Oui, allons-y. Arrête de te déranger. J'ai déjà envoyé les guerriers. Ils sont tous allés à sa recherche et ils vont la ramener. Ils vont la ramener ici vivante. Notre Dieu ne peut jamais permettre qu'une telle chose ne nous arrive. Votre Majesté. Oh, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Allez maintenant de retour. Hey. Ma princesse, tu es la bienvenue. Ma princesse, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ma fille, bienvenue, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ma fille. Ma fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il y a quoi? Ma princesse! Les dieux, mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé? Ma princesse! Ma princesse, ouvrez tes yeux! Mon Dieu! Votre Majesté! Allez le chercher, Zemo! Immédiatement! Rapidement, allez chercher, Zemo! Qu'est-ce que tu fais ici? Va chercher, Zemo! Rien, ma fille. Rien ne va t'arriver. Rien ne va t'arriver. Hey, ma princesse. Pas, ma fille. Rien, ma fille. Rien, ma fille. Rien ne va t'arriver. Mm.
Oui. La princesse est en vie. Ma princesse. C'est fait. Oh, ma fille est en vie. Quelle idée ça, Louis. Ma princesse. Oh, bon. Merci à ma joie. Merci au Dieu de notre terre. Maman. Qu'est-ce que... Papa. Ma fille. Papa. Ça va aller, d'accord. Rien ne va t'arriver. Rien ne va t'arriver. Je t'avais dit. Je t'avais dit que rien n'arrivait rien. Pas rien n'arrivait rien. Ma fille. Maman. Merci au Dieu de notre terre. Ma fille. Merci. Aisez-moi. Aisez-moi. Merci beaucoup. Aisez-moi. Merci. Aisez-moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai ton prix, ma fille. La princesse est vivante. Garde. Oui, votre majesté. Assurez-vous d'accompagner Ezemo jusque chez lui à la maison avec 2 sacs d'igname, 3 chèvres et les noix de kola. Faites-les comme je l'ai dit. Votre majesté, vous... Oui. N'est-ce pas beaucoup trop pour moi? J'ai fait ce que je pouvais en tant que grand prêtre de cette terre. Non. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire. Tu as fait à ce grand royaume une grande faveur. Hein? Aisez-moi. Peu importe tout ce que je peux te donner. En tout cas, je vous dis que ce n'est pas comparable à ce que tu m'as fait. Hein? Merci beaucoup. Allez faire ce que je vous ai demandé de faire pour lui. Ok? Allez-y. Merci. Je vous en prie. Et toi, va dire à Daté de préparer cette grande chèvre ainsi que cette grande vache pour faire un repas somptueux pour le peuple. Nous allons célébrer le retour de notre fille. M'avez-vous entendu? Oui, votre majesté. Nous allons célébrer aujourd'hui. Oui. Oh oui, nous allons les célébrer. Sans doute, votre majesté. Eh mon Dieu! Où sont-ils? Elles sont parties. Parties? Comment? Les as-tu relâchées? Non! Les inconnus qui m'ont attaqué! Des personnes inconnues t'ont attaqué? Oui, Eboubé! Tu n'as même pas pu te défendre! Alors? Que tu voulais te battre avec moi. S'il te plaît. Toi. S'il te plaît. Tu n'es pas mis de... Mais... Tu voulais me défier dans un combat. Qu'est-ce que je vais dire au grand Yueke? Qu'est-ce que je vais dire à Yueke? Qu'est-ce que je vais dire au grand Iweke? Qu'est-ce que je vais maintenant dire à mon maître? Qu'est-ce que je vais maintenant dire à mon maître? Fuga. Fuga. Fuga, je te jette la salive. Regarde quel conseil tu m'as fait. Pourquoi? Je vous demande encore, pourquoi? Hein? Pourquoi allez-vous permettre à Roga seul de monter la garde pour les otages? Pourquoi? Mon très cher, pourquoi es-tu si imprudent? Non mais comment? Je te faisais vraiment confiance. Igwe, je suis désolé. Désolé, votre majesté. Hein? Hey! Et Boubé, je t'ai vraiment fait confiance. Nous sommes désolés, votre majesté. Oh,
maintenant, écoutez-moi, écoutez attentivement. Hein? Bien sûr. Parce que je dois recommencer avec le sacrifice partout d'ailleurs. Je dois asperger du sang sur mon autel. Ce n'est qu'alors, le grand Iwe Konye Chimereze Wekono Fumana Pume serait satisfait. Partez maintenant. Nous les ferons exactement comme vous l'avez demandé. Allons-y. Sans le temps, votre majesté. Le lézard qui met un terme à la cérémonie d'enterrement de son père finit par porter le corps entre ses mains. Akuo Doruji Jodo. Les dieux de nos terres, Ikuku, je vous salue. Les dieux de nos terres, que vous soyez à jamais loués dans notre terre. Je voudrais vous dire merci pour toutes ces choses que vous faites sur notre terre. Obome Meyesu. Obome Meyesu. Obome Meyesu. Obome Meyesu. Obome Egbeme Meyesu. Obome Meyesu. Obome Meyesu. Obome Meyesu. Aisément, j'étais prévenu. N'essaie surtout pas de jouer avec le feu. N'ose pas en tout cas. Je ne vais plus t'avertir. Reste très loin de mes captifs. Aisément, reste très loin. Reste très loin. Oh, c'est bien toi qui avais pris la princesse et d'autres captives. Mazeweka. Je ne suis averti. Si je l'ai fait, aisément, tu ne pourras jamais supporter ma colère. Si jamais je reviens ici, ça sera à ta fin. Je suis Iweka, Onye Chimereze, Wokenon Fumanampume. Tu ne peux rien me faire. Tu ne peux rien me faire. Parce que moi, je suis loin par les dieux. Oui, tu ne peux absolument rien me faire. Insensé. Umaziweka, dans la paix, assieds-toi. Assieds-toi. Umaziweka, assieds-toi. Si tu as des problèmes avec sa majesté, se tenir debout ne te dira rien. Fais ça. Donc, s'il te plaît, assieds-toi. Umaziweka, prends place. Si tu peux te taire, je n'ai pas de temps à perdre avec toi. J'ai dit de vous taire, vous tous. Taisez-vous. Toi là, Madoka. Madoka, à partir du moment où j'en aurai fini avec toi, c'est alors que tu sauras qu'il y a une différence entre un bal masqué et une divinité. Est-ce que tu peux te taire? Tu n'es qu'un fou. Vas-tu la fermer? Je suis en train de parler. Tu te donnes le courage de te tenir devant moi, le grand roi du royaume des Iako, pour m'insulter. J'ai juste pitié de toi. Mais laisse-moi te dire que lorsqu'une déité sent que c'est très fort, c'est là qu'il te montre au monde de quel bois il se chauffe. Toi, idiot. Madoka? Madoka, je peux voir que tu as l'audace. Mais ce n'est pas grave.
Quand j'en aurai fini avec toi, Madoka, tu réaliseras que ta vie est entre mes mains. Ferme ta bouche. Tu as beau crier, ce n'est pas grave. C'est là qu'on saura si tu es réellement un dieu comme tu l'as dit. Pour l'instant, je vais te laisser respirer quand tu veux. Hein? Je n'ai pas peur de cette capacité de disparaître. Je ne suis pas un petit homme. Je suis un très grand esprit. Je ne peux pas me battre contre toi, jamais. Mais c'est vrai qu'elle t'en fout. Mais je ne sais pas pourquoi elle est en train de se révolter. Pourquoi elle est en train de se révolter? Pourquoi elle ne fait ça? De notre terre. Tu es Amaka, n'est-ce pas? Oui, je suis Amaka. C'est bon. Amaka, comment vas-tu? Je vais bien, mon prince. Sais-tu que j'ai été cherché presque partout? Vraiment? Oui. Oh, waouh! Je suis flatté, mon prince. Mon prince, voici mon ami Obegeni. Obegeni, voici le prince. Salut. Bonjour, c'est mon honneur. Amaka, est-ce que je peux te raccompagner à la maison? Oh. Y a-t-il un quelconque problème avec ça? Pas du tout. Juste que je suis un peu étonnée. Tu ne dois pas être nerveuse, Amaka. Depuis la première fois que j'étais vue, quelque chose continue à me dire que nous sommes faits pour être ensemble. Amaka, mon prince, je veux faire de toi ma reine. Mon prince, êtes-vous vraiment sûr? Oui, je suis sûr de ça. Mon prince. Oui, salut Amaka. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien, merci. Oh, mon prince. Mm-hmm. Vous, dans ma maison, je pense que tout va bien. Maman, est-ce que tout va bien? Tout va bien. Tout va bien. Je suis venu voir votre fille, Amaka. Oh, je sais. Juste en regardant dans tes yeux, je peux voir que tu es complètement envahie d'amour. Je sais que tu es surpris du fait que je connais. Ne t'inquiète pas, elle m'a tout dit. Iwamaka. Mon prince. Je crois que tout va bien. Oui, je vais très bien, merci. Je pense que je dois vous laisser converser. Merci, maman. Il fait très chaud aujourd'hui. Iwamaka. Mon prince. Iwamaka. Mon prince. Pourquoi ne me permets-tu pas d'ordonner à mes gardes de nettoyer toute cette cour? Non, j'ai déjà fini avec ça. Vraiment? Oui. Et qu'est-il alors si je me décide de le faire tout seul? Ah, mon prince. Aucune personne dans ce monde vous permettra de faire ça. Tu insistes? Oui, je peux le faire, j'avais déjà commencé. C'est bon alors. Permets-moi de te regarder balayer. Je suis venu pour te voir. Alors, tu peux balayer pendant que je te regarde. Ok. Mmh?
C'est bon alors. Pourquoi vous me regardez comme ça? Mon prince. Oui, asseyez-vous là-bas, asseyez-vous. Ok. Maman, je voudrais te demander ceci. Maman, pourquoi à chaque fois que nous voulons aller au palais et tu nous interdis d'y aller, maman, disant qu'on va tous mourir, pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle vous dites de ne pas aller au palais? Ce n'est pas que si nous allons au palais, nous allons mourir. Mais le problème, c'est qu'un mal pourrait surgir. C'est pourquoi maman dit que nous ne devrions pas aller. Mes fils, je crois qu'il est temps que je vous dise la vérité. Bien avant votre naissance, j'étais banni du royaume des Ako. Pourquoi, maman? Maman, pourquoi? Vous n'allez pas comprendre. C'était une conspiration. Conspiration? Conspiration? De quel genre de conspiration s'agit-il? Ogadi, où est passé ce fou? Ogadi! Oh, où te voilà? Ogadi! Oui, Weka. Ogadi! Je t'interdis de détruire ce sanctuaire. Comme Igwe n'a rien dit à propos de ça, en tant que jeune de ce royaume, je veux que tu tues ces sorciers d'enfants. Cet enfant est sorcier. Weka, nous avons parlé avec Awako et il m'a dit mon père n'est pas un démon. J'ai même parlé au cœur d'Amadi et le prêtre Ogogo. Et ils m'ont dit les mêmes choses. Et pourquoi vous tenez à tuer mon seul fils? Pourquoi? Regardez. La mort, je veux dire la mort, serait la pénalité. Si tu ne tues pas cet enfant, ce sorcier d'enfant que ta femme porte dans son sein, tue cet enfant, tue ce sorcier d'enfant que ta femme porte. Si tu refuses de le faire, je te montrerai que moi, Iweka, Watimeleze, Wokeno Fumana Pume, je vais te montrer ma couleur. Attention, Ogade, je te mettrai plus en garde. Iweka, tu veux que je tue mon fils? C'est impossible. J'espère juste vous allez danser au ton de la musique que je vais jouer. On verra. Oui, on verra bien. On verra bien. On verra bien, Weka. Oui, ne t'inquiète pas, d'accord? Rien ne va regarder ton chat, ok? Va te Nanu wempi wempi Ebelebe Ebude satarampi asata Makanatu radiye pumpi Manampi pubere siteni simpi Ewo ebelebe Ewo ebelebe Iya. Donc, après tout ceci, et Igwe a refusé de bannir cette femme de ce royaume-là. Si je permets à cet enfant de venir dans ce monde, il ne sera pas seulement un traître pour moi, mais aussi pour Ekweisu, le dieu que je sers. Pour cette raison, je vais la bannir par moi-même, et rien ne va se passer. Et c'est lui qui osera me barrer la route. Cette personne aura affaire à moi-même. Thank you.
loué soit le Dieu. Je remercie nos ancêtres pour le bien qu'ils ont fait pour moi. De quel bien parlais-tu, Ogadi? Ogadi, aujourd'hui est un jour décisif. Ceci est ton jour J. Le jour J? Ogadi, je t'avais demandé de tuer ces sorciers d'enfants, mais tu t'es entêté. Alors, je vais le faire par moi-même. Obaka. Non, vous n'allez pas toucher ma femme. Ogadi. Vous n'allez pas toucher ma femme. Vous n'allez pas toucher ma femme. Ogadi, tu veux me défier? Obaka, tue-le. Bien, tue-le. Tue-le. Tue-le, c'est bien. Obidia, cours. 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 Maintenant, entre et va la chercher. Elle n'est pas là. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Va la chercher maintenant. Trouve-la. C'est bien. Olivier, tu peux fuir, mais pas pour toujours. Je finirai par t'avoir. Viens, on s'en va. Pousse. Le bébé est en train d'arriver. Pousse.
pousse, pousse. Le bébé est en train d'arriver. Pousse, 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 pousse. C'est le fait de façon dont tu étais bien, mon cher. Moi? Oui, toi, mon fils. Et qu'en est-il de mon frère Onyeka? Onyeka n'est pas ton frère. Moi encore, un humain. Luc. Je ne suis pas là pour te faire du mal. Je t'ai apporté une autre chance. Prends-les comme ton enfant. C'est le servant de Osako. Appelle-les Onyeka. Souviens-toi qu'il est le dieu du tonnerre. Maman, attends, tu veux dire que mon père est déjà mort, qu'Aniweka est toujours en vie? Mon père n'est plus en vie pendant qu'Aniweka est toujours en vie. Mon fils, Weka est vraiment très fort. C'est seulement une déité qui peut détruire Weka. Car Weka est la déité elle-même, alors personne ne peut les tuer. Je ne comprends rien, maman. Je n'arrive à rien comprendre. Qu'est-ce que tu veux dire par Iweka est une déité? Dans l'histoire que je vous relatais, le grand-père de Iweka était vraiment très fort. Avant qu'il meure, il avait laissé tous ses pouvoirs entre les mains de Iweka. Au lieu que Iweka utilise tous ses pouvoirs pour aider les gens dans ses villages, et Iweka maintenant utilise tous ses pouvoirs pour détruire et humilier notre peuple. Hein? Mais si tel est le cas, maman, pourquoi est-il si méchant? Pourquoi est-ce que l'être aimé est aussi méchant pour rien gagner? Donc tu veux dire, Iweka est toujours en vie alors que mon père est déjà mort, et il a utilisé son pouvoir pour oppresser le peuple. Iweka. Iweka. C'est vrai, Asao. Il est trop méchant. Ça suffit. Iweka, à tout moment. C'était ça l'histoire. Il est un homme méchant. Écoute, il faut que nous sommes arrivés dans ton village. Rappelle-toi que m'avait dit que nous ne devons pas aller près du palais. Donc, nous ne devons pas aller là-bas. Alors, nous devons être très prudents. C'est ce que je veux que tu comprennes. Hé, hey, princesse. La princesse. Oh, la princesse est maintenant vivante. Oui, elle va très bien. Je vous salue, princesse. Je vous salue. Oui. Et vous deux là, vous pouvez libérer cette route? Garde, laisse-le. Ma princesse. C'est nous qui vous avons sauvé là, là-bas, à la forêt. Oui. Les deux hommes qui vous avez sauvés là. Oui. Oui. Et la forêt oui. De petit. Vous m'aviez sauvé? Oui, ma princesse. Oui. Ma princesse, vous étiez sous la douleur, alors oui. Vous n'allez pas savoir. Nous t'avions sauvé. Merci beaucoup. Oui. Mais je ne vous crois pas. Ma princesse, si vous ne vous rappelez plus, vous pouvez demander au commandant des guerriers. C'est ça. C'est nous qui t'avions sauvé. Oui, c'était nous, ma princesse. Oui, ma princesse, c'est nous. Êtes-vous de ces villages? En fait, oui, mais vous savez... Est-ce le sang royal coule dans vos veines? Non, ma princesse. Et pourquoi ces chaînettes dans son cou? Toi, enlève ça d'abord. Ma princesse,
Désolé. Vous devriez m'excuser. Je vais à la rivière prendre mon bain. D'accord, ma princesse. Au revoir, ma princesse. Oui, ma princesse. Dieu. Que la princesse soit toujours en vie. Ah, Dieu. Hey. Abouché, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Je t'ai déjà dit de ne pas porter. C'est peut-être connu, mais tu n'entends pas. Mais toi, tu veux nous créer des problèmes. Comment? Où? Quand? Hein? N'as-tu pas entendu ce qu'elle a dit? Tu n'es pas du sang royal. Tu n'es pas censé porter ceci. Même alors, retiens ça. La chose la plus importante ici, c'est que notre princesse est toujours vivante. Je sais. Mais ne porte plus ces colliers inutiles. Maintenant, partons. Fais attention avec ce que tu dis. Oui, ça va partir. Fais attention, je suis un homme spirituel. Je n'ai pas avec ce genre de choses. Ce collier, il ne faut pas blaguer avec. Je vais l'écraser. Ne t'inquiète pas. Attrapez-la. Viens. Attrapez-la. Eboubé. Attrapez-la. Que penses-tu faire, Eboubé? Nous avons besoin de la princesse et de ses servantes pour offrir un sacrifice aux dieux. Et si tu ne nous accordes pas cela, tu vas les rejoindre. Il n'y a que mon cadavre qui pourra te laisser partir avec la princesse et les servantes. Qu'est-ce que tu viens de dire? Es-tu fou? Tu écoutes pas ce qu'on t'a dit? Comme ça, tu dois mourir. Ijele, une petite soupe. Hein? Tue-le. S'il te plaît. Allons-y. S'il vous plaît. Bon, là, allons-y. Fais vite. Je comprends que vous n'êtes pas munis des cerveaux, vous deux. Vous êtes tous vraiment, vraiment disservis. Tu t'en fous? Pourquoi est-ce que tu t'en fous? Qui êtes-vous, vous, petit garçon? Qui êtes-vous? Oui, je suis Abouché, le grand. Et voici mon frère Onika. Le dieu des tonnerres, et nous sommes ici pour sauver la princesse ainsi que ses servantes. Es-tu fou? Abouchou, peu importe comment tu te fais appeler, tu es vraiment impressionnant. Depuis que je suis né, je n'ai jamais ri comme ça avant. Alors c'est une très bonne chose parce que je n'espère pas quelqu'un comme toi, Eboubé, puisse rire à mes propos. Parce qu'avant qu'une chèvre rejoigne ses ancêtres, alors je vais rire pour une dernière fois, parce que tel que je te vois déjà mort. Vous savez quoi? Vous deux vous serez offerts aux dieux en sacrifice. Écoute attentivement, Eboubé. Je ne peux jamais être utilisé pour un sacrifice parce que je ne suis pas un agneau à sacrifier. Mais un adversaire contre ton maître appelé Maziwika. Arrêtez! Comment as-tu osé citer ce nom? Tu es fou? Est-ce que tu peux la boucler et rester tranquille? Vas-tu fermer ta bouche? Ijele! Hein? Deux bons plats de soupe. Deux plats. Tue-le! Maintenant, écoute, je ne crois jamais aux armes. Faisons les mains contre mains. C'est mieux. Je te donnerai trois. S'il vous plaît, vous pouvez m'avoir. Prenez-moi, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas faire ça. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas faire ça. Prenez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez. S'il vous plaît, ne vous battez pas, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh! Venez prendre la princesse comme si je vous devais faire. Venez prendre la princesse. Venez la chercher comme si je vous laisserais faire. Venez. Pensez-vous qu'on est toujours lâche? Jamais. Emmenez-les. Et merci beaucoup. Prends leurs épées. Je t'ai emmené pour vous. Prends leurs épées. Prends ça. Les faiblards. Allons-y. Ma princesse, nous devons vous laisser ici. Je suis désolé. En tout cas, vous accompagner jusqu'au palais. On s'arrête ici. Oh,
Que le Dieu vous guide. Et c'est... Je suis vraiment reconnaissante. Merci beaucoup. Merci de nous avoir sauvé la vie. Mais j'aimerais que vous me suivez au palais. Pour que je vous montre ma gratitude, s'il vous plaît. Non, après, nous ne pouvons pas aller avec vous au palais. Ça ne serait pas possible maintenant. Vous devez juste rentrer au palais et nous vous rejoignons après. Exactement. Assure-toi de très bien prendre soin de la princesse. Je me rends encore vous revoir. D'accord. Que le Dieu vous protège. Allons-y. Partons. Prends bien soin de la princesse. Viens, pas. Viens. Le grand Dieu de tout l'univers. Je dédie toute ma vie à te servir afin d'arriver à conclure ce grand pacte avec toi. Je veux aussi devenir la grande déité. Morureru, Momorureru. Narakene. Le grand Tokoesu a besoin du roi, ainsi que sa famille, avant que je ne sois compté parmi les dieux. Otabora Nekenti Oba, Tarioko Bankwisa. Umabie Dioro, le grand Tokoesu. Tanta Namari Boboué. Je te servirai juste à la fin de mes jours. Intemioué. Dieu, c'est lui qui voit le profond de mon cœur. Parle-moi. Prépare-toi à rejoindre le collège des dieux. Fais usage du sang du roi, ainsi que de sa famille entière. N'oublie pas les trois vierges. Ce n'est qu'à ces prix que tu deviendras le grand parmi les déités. Que de toute sa famille soit utilisée pour le sacrifice. Comme les dieux ont parlé, qu'il en soit ainsi. Maketo Dikafa, Opotana Ombo. Votre Majesté. Oh non. Je ne veux pas cette façon dont tu me parles. Mazi Weka est derrière tous les kidnappings qui s'est fait au royaume. Weka est un démon. Igu, s'il vous plaît, faites quelque chose. Oh non. Votre Majesté. Tu as raison. Mais laisse-moi te dire. Vaut mieux faire que parler. Igu. Quoi qu'un homme pourra faire. Ou peut faire, c'est là dans son cœur. Oh non, Igwe. Mon père m'a dit que le bras, ce bras, ne peut jamais être plus grand qu'une cravate. Oui, mon roi, ça ne peut pas être possible. ne te dérange même pas. Je lui donnerai une bonne leçon qu'il n'oublierait jamais, jamais dans sa vie tout entière. Igwe, je suis totalement derrière toi. Je lui rendrai le compte. Ndo. Oui, votre majesté.
Va me chercher Ebobé et Ijele. Va rapidement, demande-leur de venir ici. Avec plaisir, mon roi. Oh non, où? Désolé, mon ami Ijele. J'avais demandé à Otenko de me garder un tout petit peu de lin. Mais il m'a dessus. Comme d'habitude. Mais ce n'est pas si grave. Ijele. Aussi longtemps. Je veux dire, aussi longtemps que nous sommes dans ce village. Aussi longtemps que nous sommes dans ce royaume. Nous, les hommes forts, nous allons diriger ce royaume. Et non le roi. Je veux dire, nous ne sommes pas les esclaves du roi, pas du tout. C'est pourquoi j'ai un plan. Un plan? Oui, j'ai un plan. Quel plan? Écoute, si on fait tomber le roi qui est au pouvoir maintenant. Ok. Et notre maître prend le pouvoir. Ok. Alors je prendrai n'importe quel servant de mon choix. Et ils me feront n'importe quelle nourriture que je veux. Tu sais comment je vais la nourrir? Ijele, ce n'est pas vrai. Pourquoi est-ce que tu rues? Ijele, tu n'es rien d'autre qu'un fou. Mais tu vois, au moment où notre maître, Iweka, Ezekaume, accédera au trône en tant que roi. Prince. Hein? Alors tu pourras avoir autant de femmes que tu le voudras. De la bonne nature pour toi. Es-tu sérieux? Oui. Pour de vrai. Tu. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est? Je vous salue et vous méditez. Et Ijele. Il y a quoi? Le roi requiert votre présence au palais immédiatement. Va dire au roi, je veux dire ton roi, que moi, Eboubédiké, j'ai un devoir à accomplir avec mon maître et que je ne le verrai qu'après le prochain jour du marché. Va-t'en maintenant avant que je te coupe ta tête. Va-t'en. Je ne fais que passer le message. Voilà, on ne t'a pas tenté de bouder. Tu es vraiment stupide. Regarde cet idiot. Regarde comment il est bizarre. Il était ceci pour nous déranger. En plus, il est têtu. Regarde, mec. Faudrait les traquer. Oh, tu ne me demandes pas. Ne te dérange pas. Ne te dérange pas. Tu vois, je te perds de ton temps. Quand on la bat. Avec votre façon de parler aujourd'hui, je crois que le royaume va bien. Oui, oui, votre majesté, j'espère que tout va bien. Oh non, votre majesté. Les anciens de notre terre. Igwe. Votre majesté. Notre royaume ne va pas bien. Notre royaume ne va pas bien. Pas pendant que cet idiot, ce fou, est apparu ici dans son royaume. Pas du tout. Bien, Madoka. Qu'est-ce qui te prend? Qui t'a donné l'audace d'insulter Iweka? Mukino Fumana Pumé. Hey Iweka, comment oses-tu? Comment oses-tu ouvrir ta bouche et appeler les Igwe par son prénom? Regardez-moi, c'est fou. Ok, ok. Iweka. Est-ce que tu te rends compte de l'immensité de l'axe que tu es en train de poser? Ferme ta bouche. Hein? Ferme ta bouche. Tout celui qui vit sur cette terre connaît mon pouvoir. Et toi, d'où viens-tu? Toi, idiot! Tu ne peux pas ouvrir ta bouche et appeler le Igwe par son prénom. Tu n'es qu'un singe. Tu es vraiment un singe pour avoir dit ça. Igwe, okay, fais quelque chose. Si, un mot de plus, je vais te sacrifier à mon Dieu. Tu es méchant ou fou. Tu n'es qu'un simple malade. Pour qui te crois-tu? Calme-toi. Calme-toi d'abord, s'il te plaît, calme-toi. Laisse-moi lui parler. Insensé, il n'est même qu'on y est. Gué ou gué? Regarde-toi. Tu n'as même pas honte de toi. Va-t'en. Va-t'en, tu vas rencontrer la colère des dieux. De nos dieux. S'il te plaît, calme-toi. 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 S'il te plaît. Méchant. Méchant et diabolique homme. Ok. Oh. Va
remarqué qu'il y a un complot monté contre moi. Écoute, j'ai remarqué que vous avez tout planifié contre moi. Sachez que je suis au courant de tout ce que vous faites. Abradiana. Écoute, Iwika, tu penses que nous ne sommes pas au courant de ce qui se passe? Nous savons que tu es celui qui organise les kidnappings de notre peuple, et spécialement les filles vierges de notre terre. Toi, Madouka, tu ne m'énerve pas. Un grand fou. Maintenant, écoute-moi, nous saurons qui est-ce qui est fou. C'est toi le fou. Mais je voudrais te dire, Iweka, toutes ces choses qui se sont passées, c'est parce que nous t'avons ignoré. Et maintenant, nous devons appeler les chats par son nom. Avec mon autorité en tant que roi de cette terre, je vais ici te bannir. Tu bannis de cette terre. Madouka, tu sais que ce n'est pas possible. Tu ne peux pas me bannir. Il le peut. Tu n'en as pas le pouvoir. Il a le pouvoir. Je suis Iweka. Et après? Non, Nankoumé, Nanfouma, tu ne peux pas me bannir. Tu y es banni. Ça n'aura pas d'effet. Garde, votre majesté. Je comprends maintenant ce qui s'est passé. Jetez-moi ces fous loin d'ici. N'osez même pas. Banni, amenez-les loin d'ici. Arrêtez-vous là, n'osez même pas. Maintenant, bouge. Emmenez-les. Non, écoute-moi, Madouka. Écoute-moi attentivement. Un homme qui laisse ses excréments sur son chemin du voyage finit par trouver des mouches déçues à son retour. Ça n'a pas de sens. Tu y es un... Ah si, j'ai dit emmène-moi cet homme loin d'ici. Emmenez-le loin d'ici. Emmenez-le. Madouka. Tu verras. Partez, imbécile, partez. Tu viens de signer ton arrêt de mort. Madouka. Tu es banni. Madouka. Tu es banni, oui. Sache que tu viens de signer ton arrêt de départ. Tu n'es qu'un... Madouka, c'est fini pour toi. Tu me verras dans très peu de temps. Va-t'en. On verra. On verra. Tu es banni. Tu es banni. Tu es banni. On verra. Vous verrez. Vous verrez. Igwe, les anciens de notre terre, je voudrais vous informer que j'ai pu lister quelques noms de nos guerriers qui doivent partir avec lui parce qu'ils soutiennent les moindres de ses actions. Tu vois ce que je disais? Il s'agit bien des Ebobé. Surtout lui, vraiment. C'est dommage. Et lui écoute ainsi. C'est terminé pour j'ai dit Igwe. C'est impressionnant ce qui nous arrive. C'est grave. C'est moins sérieux. Mazébikwe. Je veux dire la vérité. J'ai vraiment aimé la décision du roi. Notre communauté entière n'est plus en sécurité. Mazéweka a commis beaucoup d'atrocités dans cette communauté. Et là, mais toute personne n'est capable d'en parler. Tu as raison, mon cher ami Mazéweka. Le roi a pris une sage décision. Parfois, tu vas penser qu'un seul montée ne va jamais changer malgré ses mauvaises voies et ses atrocités. Tu avais vu la faiblesse qu'il avait montrée l'autre fois? Pourquoi nous sacrifie-t-il? Il lui menace qu'après ses sacrifices, nous allons revenir discuter avec le roi. Nous devons bien ouvrir les yeux. Nous le savons tous qu'il désespère. C'est de ça que tu es oui. Peur. Oui. Laisse-moi te dire la vérité, mon très cher ami. Le roi est aussi loin parlé par les dieux de notre terre. Ce qui signifie qu'ils ne peuvent jamais permettre à quelqu'un de mauvaise foi de diriger ton royaume. Écoute, je ne vais pas raconter ça. Je ne vais pas raconter cette histoire. Cet homme-là, il a essayé de combattre avec les dieux. Il les a battus. Ne t'avais-je pas dit? Partons d'ici. Allons-y. Tu as peur de quelqu'un comme ça. Hein?
Il est redoutable. Non, je ne le crains pas. Je suis en sécurité. N'ayez pas peur. Il est temps de frapper. Premièrement, je fortifierai chacun d'entre vous à la hauteur de cette tâche. C'est alors que nous attendrons tous le coucher du soleil avant de frapper. Igo Kaome. Igwe. Igwe. Ceci n'est plus intéressant. Comment est-ce qu'une femme peut s'opposer à tout le monde? Et il n'y a personne pour faire quelque chose à propos de ça. Même pas les rois. Dieu de mes ancêtres protège Ezi Akokembe et tout le monde qui vient après lui. Plus précisément mon mari et mes enfants. Mon fils, je te l'avais dit. Je veux que tu sois l'homme que tu es. Je ne veux pas que tu restes un garçon. Tu es un homme. Il se pourrait que je rejoigne mes ancêtres demain. Que tu sois le prochain roi du royaume des Yako. Je veux que tu saches que c'est à tout moment, que je pourrai rejoindre mes ancêtres. Et je veux te rappeler ceci. Ce trône est censé être au tien. Ijele, va chercher la princesse. Ijele, qu'est-ce qu'il y a? Tu auras une petite soupe. Hey! Stop! Hey, toi! Oui, le voilà. Madouka! Iweka! Abaisse ça! Tu vois ce que tu enlève sa couronne! Toi là! Non, arrêtez cette bêtise! Ferme-la! Ramasse ça! Iweka! Madouka! Je t'avais dit que tu n'as absolument rien devant moi! Comment oses-tu parler à mon père de cette manière? Qu'est-ce que tu parles? Tais-toi! Tais-toi! Allez, vas-y, mets-la. Que tu toi ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Mais imbécile, ferme ta bouche. Jamais. Je n'arrive pas à croire que c'est toi. Arrête, c'est moi qui parle. C'est Igwe Unonankume qui parle parce que je régnerai sur son royaume. Je vais t'utiliser comme sacrifice à ma divinité. Madouka, il est pour moi temps d'être utilisé. Sacrifice à ma divinité. Va-t'en d'ici, idiot. Regarde, j'ai déjà tué toutes tes gardes. Les dieux combattent ce combat. Je ne vais pas combattre pour toi, parce que je suis Dieu moi-même. C'est moi qui suis ton Dieu. Permettez-moi de couper cette tête. Attends. Eboubé, va préparer l'emploi habituel parce qu'ils vont bientôt te rejoindre. Le temps pour moi de l'amener à mon sanctuaire et le consacrer pour que ma divinité les accepte. Parce que le roi lui-même est plein d'iniquité et le grand Dieu ne l'accepterait pas comme ça. Il doit être consacré. Rappelle-toi de ta soupe.
Bouge-toi, bouge, bouge. Avancez, avancez. Avant que je pose le cadavre. Avance. Attendez. Avancez, 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 avancez. Gars, oh là là, oh. Ah. Hein? Votre Majesté, ma reine. Votre main. Votre Majesté. Eh, les anciens n'ont pas prévu ça. Ah, mais mieux. Passé. Oui, mais... Hey, je devrais le savoir. C'était le même homme. Qui avait tué mon mari, Ogadi. Vraiment? Oui. Maman, comme le roi et sa reine sont toujours en vie, mais à la merci des Mazeigwe, pourquoi est-ce que moi et mon frère, Nyeka, ne pouvons pas aller leur sauver la vie? Mazi est juste un homme ordinaire, un moutard. Mon fils, cela ne sera pas facile. Le combat sera vraiment difficile. Iweka est un homme vraiment fort. Il faut prendre une personne qui a vraiment du pouvoir pour le détruire. Si tu veux vaincre Iweka, tu dois tout d'abord te battre avec le dieu de la méchanceté, Ekwenso. Oui, mon fils, Ekwenso. Ekwenso, c'est le seul qui peut le battre. Il est fort. Même d'autres dieux ont peur de lui. Ne t'inquiète pas. Je l'ai déjà défié dans un combat. Et si je n'arrive plus à le faire, Ekwenso gagnera plus de force pour détruire Anyaou, la déesse du soleil, et Amadiha, le roi de tous les dieux. Onyeka! Ekwetu, je reconnais ta voix. Réjouis-toi, parce que Ueka t'a rendu fier. Réjouis-toi! Réjouis-toi! Ne fais pas sur de mes dieux. Je serai avec Dieu. Toi, Ekwetu, tu me défies, Umnieka, le défenseur du royaume. Montre-toi maintenant. Essayons. Yeah.
Onyeka. S'il te plaît, pardonne-moi. Ekwesu, maintenant tu peux supplier. Tu peux supplier. Je suis Onyeka. Je suis le roi de l'air Dieu. Je veux te montrer que tu es un enfant devant moi. Tu es un enfant, Kwetu. Tu es un enfant. Maintenant, avant que tu laisses partir, montre ton allégeance. Montre ton allégeance devant moi, Onyeka. Dis-le. Je te promets. Je te prêterai mon allégeance. Bien. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus déranger le peuple de ce terre. Pour que tu ne sois pas détesté. Tu ne sois pas détesté. Donc, Onyeka, qu'attendons-nous alors? Il faut qu'on aille le détruire. Allons-y, nous n'avons pas de temps à perdre. Ce n'est pas une chose très facile. La bataille n'est jamais facile. Et ma mission est de sauver ce royaume et libérer le peuple de l'aveuglement. C'est pourquoi je suis là. Écoute-moi très bien et respecte minutieusement mes instructions. Je veux être couronné devant tous ces hommes d'honneur. Et nous allons régner sur son royaume ensemble avec Ezenela Nkoumé. Donc je veux que tu utilises cette couronne ainsi que tes mains parce qu'elles ont été consacrées par des grands dieux. Vas-y, couronne-moi, Igwe Onononan Nkoumé. De notre grand royaume. Non, ne vous en faites pas, c'est bon, c'est bon, asseyez-vous. Pas la peine de vous fâcher, je vous en prie, asseyez-vous. C'est bon, asseyez-vous. Alors, vas-y, poursuis la cérémonie, vas-y. Igwe. Et on sort quoi? Abaisse-toi devant le roi. Appelle-moi Igwe Onanankoumé. Igwe. Igwe Onanankoumé. Maître, permettez-moi. Permettez-moi de couper sa tête. Igwe Onanankoumé. Igwe Onanankoumé. Joue la musique pour qu'il danse. C'est bon. Ils m'ont enlevé mon prince. Arrêtez de pleurer. Ils m'ont enlevé mon prince. Ils m'ont pris mon prince loin de moi. Quand est-ce que mon prince me reviendra? Quand est-ce que mon prince me reviendra? Quand? C'est bon, mon enfant. Arrête de pleurer. Le prince reviendra pour t'épouser. Abaka, essuie tes larmes. C'est bon. Calme-toi. Tu penses que c'est toi qui es la seule qui s'inquiète? Que dire du roi et sa famille? Arrête de pleurer, s'il te plaît. Oui. Arrête de pleurer, non. C'est bon, s'il te plaît. Apparemment, tu n'as jamais su ce que ça veut dire perdre une personne que tu aimes. Je te l'avais dit. Le prince n'est pas encore là. Il ne pouvait pas aussi permettre que les choses se passent comme ça. Ça va passer. Arrête de pleurer. C'est bon. Essuie tes larmes. Désolée. Arrête de pleurer. Le prince reviendra. Mon prince. Ça, c'est bon. C'est bon. Minarugu, Ntata mene buogweke nenge. Ima no jero go funke tabuo, ofu madi obe isinu. Okwa luka laga ne buozo.
Isi kalaka ne bu eji di mana. Udeme kalaka na mapu ozu alo. Ay! Eke ne mugi ma keke ne onye se bubora to. Maduka! Agwa ngi na onye jebe ije nyuche si n'uzo onata ya n'ujiji ezute. L'épée dont tu t'es servi pour mettre les autres à mort a été utilisée pour te mettre toi aussi à mort. Anu wempi ebine sata mpi asata maka na atụrụ adị epupi mana mpi pupere mpi site n'isi nne ya. O nwere ife enyi ugwu ju ekarị enyi ndịda. Ijele. Odogu. Prends-les et lis-les à l'arbre habituel. À ton retour, tu auras droit à un plat merveilleux. Avancez. Bougez. Passe là-bas, toi. Passe là-bas. Le temps de t'adorer est venu. Reçois l'adoration. Avancez. Les dieux de mes ancêtres. Non. Hé, hey, sois élevé une fois pourquoi de tu m'as plus. Pas écouté ah. Le dieu de montagne, le dieu du pouvoir, reçois ton honneur et sois élevé. Ah! Ojerago funke tabuo, afu mado beisi, akode, ekenemge, ekeno nyezo bubore to, malade menyege no, ekene kwasenge. Ew! Madoka, je t'avais très bien dit que à chacun son tour. Le mien vient d'arriver. Ah. Maziweka. Quoi? Tu n'es qu'un fou. Hey! Ah, toi! Comment oses-tu t'adresser à moi comme tout autre ordinaire ancien? Est-ce que tu es normal? Je suis désolé. Tu es désolé? Oui. Tu dois aller faire examiner ta tête. Maintenant, tu pourras me parler comme ton roi. Je suis désolé, votre majesté. Bien. Maintenant, écoute-moi. Maintenant, tu dois t'adresser à moi comme ton roi. Roi Iweka, Igwe Ononankume premier du royaume des Yako. Oui, votre majesté. Maintenant, va dire c'est quoi son nom, Uchaya, édité, d'amener tout le guerrier en ma présence devant le palais. Dans les 4 prochains jours ouvrables, qu'ils viennent me prêter tous allégeance. Je parlais. Et puisque je parlais, c'est comme ça que ça doit être fait. Oui, votre majesté. Le roi Iweka. Roi Iweka. Appelle encore ses noms. Oui, votre majesté. Redis-le encore. Votre majesté. Le roi Iweka. Roi Iweka. Hey, Aru, moi. Oh, roi Iweka. Je suis mort. Je ne prêterai jamais allégeance à Maziweka. Aussi longtemps que je vivrai, je ne le reconnaîtrai jamais comme mon roi. Il ne peut jamais être mon roi. Jamais. Je suis d'accord avec toi. En fait, Maziweka est très très méchant. Ok alors, je suggérerais qu'on cherche des moyens pour sauver notre roi. Inédié.
Alors oui, dis-moi, oui. Quelle est cette idée? Vous rappelez-vous de ces deux garçons qui avaient sauvé la princesse? Oui, je me rappelle d'eux. Il n'y a pas meilleure idée que de quitter ce royaume en ce moment même. Mes frères, soyez sages. Écoutez-moi, mes frères. Mazé Iweka va certainement nous poursuivre. Soyez sages. Tu as raison, mais je jure que nous cherchions ces deux garçons, Abuchi Onyeka. Je crois fermement que ces deux garçons ont de pouvoir surnaturel. La seule solution que je trouve ici est que nous devons partir de ce royaume. Bam! C'est la meilleure chose à faire. Maman, je vais te faire une très bonne soupe. Personne ne peut fuir l'autorité de Iwe Ononankoumé. Personne ne peut me fuir. J'ai appris que tu t'appelles Wamaka, la fiancée du prince. Oui. Et je suis sûr que tu es au courant que je suis maintenant le nouveau roi de notre grand royaume. Et je dois être appelé Iwe Ononankoumé. Ok. Tu es la fiancée du prince. Tu es désormais ma fiancée. Moi? Oui. Toi. Je veux que tu viennes au palais dans les deux prochains jours. Et à ton arrivée, emballe tes clics et tes claques. J'ai parlé. Et ça sera fait ainsi. Igwe! Assure-toi de ne rien foirer. Je t'en supplie au nom de Dieu. S'il te plaît, protège mon enfant Abuchi, s'il te plaît. Je sais que tu es le dieu des tempêtes. Il est tout ce que je veux. S'il te plaît, je ne veux pas que quelque chose lui arrive. S'il te plaît. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Maman, ne t'inquiète pas. Nous allons partir entre sains et saufs. C'est que je peux te rassurer. Rien ne va arriver à Linda et à Abuchi. Tout va bien se passer, d'accord? Maman, ne t'en fais pas. Les dieux sont avec nous. Onyeka et moi irons en paix et reviendrons sains et saufs. N'aie pas peur, ma princesse. S'il te plaît, tu veux me faire faveur. S'il te plaît, prends soin de maman pour moi. Elle est tout ce que j'ai. S'il te plaît. S'il te plaît, ma princesse. Okay, et je t'en supplie pour l'amour de Dieu. Abuchi. Prends ceci. Cela va te protéger. S'il te plaît, sois prudent. Abuchi, allons-y. Allons-y. Bon, d'accord, maman. Il va bien me protéger et je reviendrai ici en sauf. Que les dieux vous guident. Et toi aussi. Allons-y. Il est mon seul fils. Oui, maman, je sais, ça va aller. Maman, tu n'as pas à t'inquiéter. Ils vont revenir, maman. Hein? Il est parti, il est tout ce que j'ai. Ne t'inquiète pas. Les dieux vont les protéger. Ils vont partir et revenir sains et saufs. Oui, es-tu maman. Sûre? Oui, maman, crois-moi. Hein? Ils vont revenir. Maman, rien de mal ne va les arriver. Ok? Rien de mal ne va les arriver. Ça suffit, maman, ça suffit. Hein? Ça suffit, maman. Ça suffit. Bonjour, jeune dame. Bonne journée. En quoi puis-je vous aider et qui êtes-vous? Je suis Abuchi. Et voici mon frère Onyeka. Est-ce que tu peux nous conduire vers Ochaya? C'est à Ochaya que vous partez? Merci beaucoup. Ok, c'est pas un problème. Mais pourquoi vous avez ces instruments?
Non, il n'y a pas de problème, on est juste des guerriers. Ok, suivez-moi. Ok. As-tu vu quelqu'un? I don't think I'm going to do it. Attends, dis-moi. As-tu vu un pot de soupe là-bas derrière? Allons-y. Il n'y a aucune boîte de soupe. Allons-y. Où est les boîtes de soupe? Allons-y. Les dieux qui est au-dessus de l'homme et de l'esprit. Je suis venu devant toi. S'il te plaît, je t'en supplie. Sauve-moi. Je suis impuissant et je ne peux rien. S'il te plaît, aide-moi. Je n'ai pas de pouvoir. Le rédempteur du royaume des Yako est ici. Le rédempteur du royaume des Yako est ici. Aide-moi, je t'en supplie. Je suis là, mon fils. Onyeka, tu fais encore partie des mortels. Comment te retrouves-tu ici? Écoute-tu, je sais que c'est toi qui parles. Et ça n'a rien à voir avec les mortels. Onyeka, tu es en train de violer les lois de Dieu. Tu es en train de transgresser les lois de Dieu. Détruis ces petits démons. Et toi, pour avoir tué Bert, tu mérites ceci. Abouti. Allons-y. Allons-y. Tu es sûr? Oui. Nous devons libérer le roi maintenant. Ok. Oui. Oui. Allons-y. D'accord. Allons-y. D'accord. Allons-y. Accroche-toi à moi. Allons-y. 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 Accroche-toi à moi. Allons-y. 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 Pourquoi tu te promènes avec ça? Tu sais comme ça, on va bien s'échapper. Attends. Mon bol de soupe. Et tu es là. Toi, ta petite soupe, vous allez mourir ici. Mon bol de soupe. Attendez. Tu, Eze Koukouenou. Hey. Eze Koukouenou. Yeah. Eze Koukouenou. Aujourd'hui représente pour nous un grand jour. Aujourd'hui est un jour de fête pour nous. Aujourd'hui est un très grand jour pour nous car nous sommes libérés. Oh non,
Votre Majesté. Vous avez vraiment fait preuve d'un premier ministre digne du royaume de Zuako. Je suis fier de vous. Merci. Je suis fier de vous. Merci, Votre Majesté. Oh non, je vous dois beaucoup. Alors que les dieux nous accordent vie. Hein? Ici. Je vous surprendrai. Ici. Hein? Votre Majesté. Merci beaucoup. Merci pour votre aide. Merci d'avoir été là pour moi. En fait, je n'arrive pas à imaginer ce que serait ce royaume sans vous. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Ochaïa. Dike. Ainsi que tous vos acolytes, je vous suis vraiment reconnaissant. Je vous apprécie vraiment. Merci, merci. Et toi, Onyeka. Votre Majesté. Je te dois beaucoup. Je te dois beaucoup. En fait, j'ai beaucoup appris sur toi. Et aujourd'hui, je vais le dire en ta présence, j'apprécie ce que tu fais. Merci beaucoup. Merci, Votre Majesté. Merci infiniment. Je n'ai oublié personne parce que tout un chacun de nous a contribué à ce qui le concerne à l'avancement de ce royaume. Alors, de ce fait, je déclare que la journée d'aujourd'hui soit une journée consacrée à la parce qu'aujourd'hui, juste après ici, juste après cette adresse, je voudrais que chacun de nous cherche un endroit confortable pour se mettre. Il y a beaucoup à manger. Il y a assez pour boire. Ceux qui nous terrorisent ont été tous démantelés de notre... Ils sont partis pour toujours. Donc réjouissons-nous. Oui. Réjouissons-nous. Ici à Koukouéenou. Le dernier sur la liste. Le grand Ezemo de notre grand royaume doit être bien récompensé pour son travail acharné, pour notre victoire. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.